tous dans ce J'essaye ta caisse. Bah exceptionnel. Exceptionnel. Parce qu'on fait une putain de golf cadet Watt aujourd'hui. Et j'invite tout de suite Antoine avec moi. Bonjour à tous. Ah, Antoine il a une petite chaîne YouTube. Il faut aller s'abonner. Et puis abonnez-vous à la mienne aussi tant qu'à faire. C'est vrai, des fois les gens ils oublient, faut qu'on leur demande. Les gens ils regardent, mais ils s'abonnent pas. Il faut pas les agresser. Parce qu'après sinon ils s'abonnent pas. Ah bah ça vous c'est difficile. Moi avec ma grande gueule on a toujours l'impression que... Mais non, je suis gentille. Abonnez-vous pour avoir des caisses exceptionnelles. Abonnez-vous aussi à sa chaîne. Aujourd'hui, nous faisons une Golf 7,5 R. Alors 0,5 c'est parce que c'est leur restylage. La Golf ER, c'est quoi? C'est un peu une GTI plus plus. C'est quoi la puissance maxi d'une GTI? Elle est allée 245. Il y a eu la GTI TCR qui fait 290 chevaux. Mais il fallait quand même mettre 4 roues motrices. Donc, ils l'ont appelée la R. Ça a commencé avec la 6. Étonnamment, elle n'a pas tellement bien marché, la 6R. Elle promettait pas mal de choses, mais elle n'a pas spécialement plu. Quand la Golf 7R est arrivée, là, ça a été un véritable carton. Parce que finalement, elle hérite du fameux moteur avec un nom à rallonge, le EA888 Génération 3, qui vient de, donc du groupe VW et notamment de chez Audi, et qui est hyper facile à préparer. En fait, l'avantage de ce moulin, et c'est sans doute aussi pour ça qu'elle a un succès de ouf, c'est que sans toucher les internes, on peut atteindre 500 chevaux. Donc, bah notre Golf aussi, elle est préparée, parce que sinon, c'est pas marrant. Voilà. D'origine, elle a 300 chevaux, je crois. 310. Donc, elles ont existé en 300 chevaux et celle-là, c'est la 310. C'est la plus puissante des Golf 7R. 7R, exactement. Voilà. Ouais, parce que celle d'aujourd'hui, la 8R. Elles font 320. 320. Mmh. D'accord. Peut-être qu'un jour, ils iront. Ah non, peut-être que c'est la dernière. Ouais, c'est... ouais. Ça sera peut-être la dernière. Ouais. En général, pour la préparer assez facilement, eh ben, on touche aux pièces qui sont assez simples, comme l'intercooler, l'admission, les bougies, etc. Et on peut augmenter la puissance assez facilement. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Des bougies stage 3. Ouais. Déjà, parce qu'elle est à l'éthanol, voilà, un stage 1 plus bioéthanol. Et filtre à air KN également, c'est une carto et c'est tout. Rien qu'avec ça, t'as gagné combien de chevaux? Quasiment 100 chevaux. Tu vois, c'est un sac ce moteur exceptionnel. T'aurais imaginé toi avoir étant gamin à 20 ans, avoir une caisse de 400 bourrins? Non, si tu veux, 400 bourrins c'était des supercars. T'es là combien sur ta carte grise en poids? Une tonne 400 je crois. Tu vois, ça reste raisonnable, tu vois. C'est un rapport poids-puissance, mais c'est surtout, c'est un rapport performance et sécurité qui est assez exceptionnel. Mmh, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la Golf plaît, c'est que tu te sens bien et elle est facile. C'est ça. 4 roues motrices, donc c'est pas le Quattro là, c'est le 4Motion chez Volkswagen. C'est et c'est le l'Aldex. 4 ressorts courts dessus. Déjà que c'est vachement bien, avec 4 ressorts courts c'est encore, c'est exceptionnel. Frein et la ligne d'échappement. Ah donc voilà. Tu fais du bruit? Oui. D'accord. J'ai le Kata d'origine, mais sinon c'est une ligne 1000 tech, avec suppression d'intermédiaire 1000 tech et 4 bacs 1000 tech. Ce qui a été modifié, les logos. J'ai rajouté une lame Maxton Design. T'as la phase 2 de la Golf 7. C'est ça. Donc les feux recyclés. Ouais. Qui sont en double U, ils appellent ça là. Ouais, c'est ça. Les jantes sont d'origine. Ouais. Les disques sont pas d'origine, ils sont beaucoup plus gros et percés. D'accord. Enfin, ventilés, ouais. Voilà. Là, les batteries sont en Maxton Design également. Les rétros sont peints noirs d'origine aussi. Alors non, c'est une coque qui a été rajoutée dessus. Oui. Plus les clignotants défilants. Ah oui, ok. Qui a été rajouté dessus. Dynamique. Et d'ailleurs, ils ont les clignots arrière sur la phase 2 de la 7 deviennent aussi dynamiques, non? Exactement. Ouais. Le diffuseur Maxton Design également à l'arrière. Ouais, c'est le kit complet. Ça lui va vachement bien. Hein. Ouais. C'est un Becket. Mais c'est le Tinger. C'est l'Outinger, voilà. Ouais. Et c'est l'officiel, parce que attention, sur AliExpress, on peut acheter des Becket Outinger. Ah, mais de toute façon, sur AliExpress, tu peux tout acheter. Oui, tu peux tout acheter. Mais tout. Celui-là, c'est un officiel, j'ai certificat d'authenticité. D'accord. Outinger. Ok. Outinger qui fait aussi des préparations pour la 7R. Luso Motorsport, c'est mon préparateur, donc à Bourg-en-Bresse. Drive Passion Squad, c'est chez nous à Lyon. Certains dimanches, ils organisent des rassemblements, et du coup, c'est sympa, on a une bonne ambiance. On mange on se fait un petit barbecue là-bas. Et c'est ouvert à tout type de bagnole. Voilà, à tout type de bagnole. Et aussi entre la 7 et la 7.5, enfin la phase 2, tout ça devient donc digital numérique. Exactement. Voilà. Ce qu'elle n'avait Virtual Cockpit, c'est chez Audi. Oui, mais c'est pareil. Non, c'est Audi. Oui. C'est un couvre-volant qui a été rajouté dessus. C'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait avec les surpiqûres. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais. Donc DSG7, elle existait aussi en boîte méca. Exactement, mais les premières phases, pas les deuxièmes. Donc voilà, c'est l'intérieur d'une Golf, il n'y a rien à dire.
Voilà. Mais après tout, c'est tellement aussi ergonomique. C'est vrai que des fois on peut critiquer que c'est austère, mais c'est parfait. Ouais. T'as une position de conduite parfaite, tout tombe sous la main, c'est facile quoi. L'écran qui est immense. Ouais, géant. Mais j'aime bien le rétro intérieur, tu sais, presque sans bord. Oui, exactement. Ouais. Et dans certaines Audi, il est même encore plus fin. Ouais. Bah, je trouve ça super ouais. stylé. En fait. Ils sont magnifiques. Les aides à la conduite sont 100% déconnectables. Oui, tu peux les déconnecter également en restant appuyé 10 longtemps, secondes, ouais. Crois. On va rouler. Ouais, allez. T'as vu, on a des palettes au volant, c'est rajouté. D'origine, il y a déjà des petits des boutons, palettes, là, des petites exactement. Palettes. Belle palette, ça se voit bien à l'image. Ouais, t'as vu, c'est chouette. Ouais, hein. Ouais, ouais. On n'a plus non plus l'espèce de boîte à son dans la boîte à gants du bruit moteur. Là. Tu sais, maintenant, ils mettent des caissons de. Ah oui, ça, il a été supprimé. L'Active Sound. Oui, voilà, ça l'Active s'appelle. Sound. Et bah, ça, ça a été supprimé. Ouais, ouais bah ouais, l'échappement dans la boîte à gants. Et... Tu sais que moi, j'aimerais bien connaître le mec qui s'est dit un jour eh, venez, on va mettre du faux son dans l'échappement, enfin, d'échappement dans la boîte à gants. Putain. On aurait dû lui mettre une camisole à celui-là. Bah peut-être ouais. qu'il y a des gens et ils savent même pas que la voiture elle fait du faux son. Ah non, ils croient qu'ils ont une vraie sportive et tout et en fait c'est du faux son dans la boîte à gants. Ils sont contents. Et ils sont contents. Bah tu vois, parle pour les gens qui sont contents ou pas contents. Bah non, moi, je suis pas content, je le dis, je fais ce que je veux. Ils ont qu'à se créer une chaîne YouTube et puis dire s'ils sont contents. Tu es content. Je suis chez moi, je dis ce que je veux. Mmh. J'ai filmé ta jeune position aberrante. J'ai une position normale aberrante. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Toi, t'as une position miteuse. Moi, il est miteuse. T'as allongé. En fait, si je veux te parler, il faut que je me pète le cou. C'est ça. Non, là, je te parle. Ouais. T'es assis derrière comme un c'est enfant. Ça. Allez, on est parti. On met quoi comme mode? Mode race, non? Dans le mode race, il y a quoi? Mode race, tout en mode sport. Tout en mode sport. Ah oui, donc ça enlève pas le... Non, ça enlève pas les... À 100%, ça les met en plus permissif. Ouais. Alors vas-y, mode race. Elle est chaude, Titine. Ouais. Ah, tout de suite, ça change. Hein. Toi, la boîte de vitesse a pas du tout été retouchée. Hein. Non, du tout. Et donc, dans le mode race, la boîte gère aussi toute seule. Ouais. Donc, si après, j'appuie... tu peux mettre... Ouais. Après, tu peux mettre aux palettes. Je peux mettre aux palettes si je veux. Tu décales là et voilà. Ah oui, c'est vrai, là, voilà. Là c'est mode sport ou, ou manuel. Et manuel, là t'es en palette. Là. Putain, hey, cette boîte elle est pas géniale, ça. Non, franchement, la DSG. Putain, quand ils l'ont inventée, qu'est-ce que je l'avais kiffé sur la R32. Ah bah... En mode sport, c'était révolutionnaire. Tu sais que c'est grâce à la boîte DSG qu'existe l'Aveyron. Ah ouais? Ah mais oui. Ça, je ne savais pas. Tu vois. En fait, dans le début des années 2000, où tu n'étais pas encore né, tu es né en combien du coup? 2002. En 2002. Début 2000-2001, la rumeur courait déjà que Bugatti allait revenir sur le marché et en disant qu'il ferait une voiture de plus de 1000 chevaux. À l'époque, on se disait non mais c'est juste insensé et improbable. Ah tu bah. Vois, 1000 chevaux, c'était mon Dieu. Bon, alors, ils sont arrivés avec une caisse qui avait 1001 chevaux, mais après tout, ils ne nous ont pas menti, hein, c'était plus de 1000. Eh ben. Mais si elle a mis tant de temps à arriver, la première Veyron, c'est qu'on n'avait pas la transmission pour faire passer ses watts au sol. Et c'est grâce à la DSG, à la technologie de la DSG, qu'ils ont réussi à produire la boîte. Elle n'a pas exactement la même boîte que celle-ci, oui, mais c'est la base. Alors,
Audi, ouais. Alors que toi, je suis pas Audi. Enfin, je suis Audi à la base. Ah, t'es Audi à la base? Ouais. Mais franchement, en ayant conduit pas mal d'Audi et de BM et tout, je préfère avoir cette sensation d'avoir le cul qui part, tu vois ce que je veux. D'accord, ok. Là, je te propose une RS3 et une M2. Tu fais quoi? Je prends une M2. Tu prends une M2. Ouais. Pourtant, je suis Audi. C'est con, mais. C'est pas les mêmes sensations, bien ça. Évidemment. En fait, là, par contre, des cacamous, t'en auras. Hein. Ah, bah oui. Bah là. Alors là, c'est vendu là, ça avec. Va changer. Bah oui, c'est ça, c'est vendu avec. Tu vois,
moi, j'aurais pas imaginé. Je savais que j'allais vivre un super moment. Mais je pensais pas que j'allais dire ça quand même. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? C'est ce qu'on dit souvent sur les golfs. Ouais. En fait, on a une appréhension. Tout le monde a dit oui, des préjugés. Des préjugés, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est regardes, génial. C'est kiffant. C'est pour ça, en fait, que tout le monde en achète. C'est vraiment le kiff.